Urbaine est une histoire moderne, se rapprochant du mythe, pouvant emprunter à tous les genres littéraires, anecdotes, horreurs, blagues, etc., et se répandant de proche en proche par le bouche à oreille ou par d'autres moyens populaires, contemporains ou non. Aussi dénommée légende contemporaine, elle se rapproche de la rumeur ou du canular. Elle exprime surtout des peurs et des fixations, ce qui la distingue de la légende pédagogique qui propage plutôt dans le monde de l'éducation des croyances rassurantes ou romantiques. En tant que littérature orale, et suivant sa résistance au temps, elle fera partie intégrante ou non du folklore. La première étude sociologique d'une légende urbaine est due au sociologue français Edgar Morin, de sorte qu'en France on désigne souvent sous le vocable de « rumeur d'Orléans », ce qui, dans le monde anglo-saxon, est qualifié d'urban legend. Le sociologue américain Jean Harold Brinvant a, dès les années 1980, appliqué aux récits populaires circulant dans le monde moderne, des théories et des concepts académiques établis par les folkloristes dans l'étude traditionnelle des légendes associées, le plus souvent, à des faits historiques lointains ou à des cultures rurales. Les légendes urbaines sont fréquemment recyclées, s'adaptant aux nouveaux lieux et temps, et sont traduites d'une langue à une autre, sans difficulté apparente. Ces histoires sont souvent racontées, comme étant arrivées à l'ami d'un ami. Certaines sont récentes, d'autres sont très vieilles, comme la légende de Bebel en M, et circulaient déjà par courrier postal. Toutes ces légendes forment un folklore. C'est d'ailleurs ce qui les différencie des rumeurs. Le plus souvent, les spécialistes attribuent le titre de manière un peu exclusive à des récits, qui présentent les caractères suivants. La forme narrative, une petite histoire, un récit structuré. Un procédé d'authentification par la convocation de témoignages, par des indications de mode, date et de lieu, par l'intervention de leur propre autorité. Le récit propose, à la lecture attentive, un déchiffrement et une interprétation du monde, surtout dans ses aspects les plus perturbants, confondants ou inquiétants. Les légendes urbaines sont apparentées aux lieux communs et aux idées reçues, en ce qu'elles sont partagées par de nombreuses personnes, sans être vérifiées. Elles ont le plus souvent un caractère extraordinaire et ou mystérieux, mais peuvent être basées sur des faits réels, et dans certains domaines, peuvent proposer des explications alternatives aux thèses officielles, des disciplines développées en marge des sciences expérimentales comme l'ufologie ou la cryptozoologie. Peuvent inspirer des légendes urbaines, ou inversement s'en inspirer. Elles apparaissent souvent dans les médias, parfois également d'une manière spontanée à la façon d'une création populaire. Dans certains cas, leur diffusion peut être organisée afin de manipuler les foules, en particulier dans des domaines politiquement sensibles, drogue, violence, mœurs, racisme, etc., un récit pouvant être inventé afin de nuire à un individu, à une entreprise, à un groupe ethnique ou religieux, à un gouvernement, etc. On touche alors au thème de la désinformation, lequel dépasse de très loin le cadre des légendes et autres anecdotes. Une légende urbaine est une histoire inventée de toutes pièces que les gens répètent comme si elle était vraie. Comme le gars qui bouffe des tonnes de pop-corn en buvant du soda et son estomac explose. Ou comme cette histoire d'un type qui se coince le bras dans un distributeur de boissons qui tombe sur lui. Ou l'histoire de Bloody Mary, il paraît que si tu vas dans la salle de bain et que tu éteins la lumière et que tu chantes Bloody Mary trois fois en regardant le miroir, elle apparaît. Elle ressemble à un cadavre, c'est horrible. Si tu la regardes dans les yeux, tu es foutu. Tu as intérêt à vite rallumer, sinon elle t'emmène avec elle dans le miroir. Thème ? Article détaillé, liste de légendes contemporaines. Certains thèmes sont récurrents dans les légendes urbaines, certaines d'entre elles pouvant se référer à plusieurs de ces thématiques.
La violence, sous diverses formes, meurtres, viols, tortures, etc. La biologie humaine, la médecine et les maladies. Les technologies, sous leurs aspects les plus inquiétants, chimie, nucléaire, génétique. Les animaux, et en particulier les espèces considérées comme dangereuses ou effrayantes, serpents, araignées, etc. Les personnalités contemporaines, du show business, de la politique, et parfois historique. L'anti-américanisme, les légendes sur les États-Unis, leurs entreprises, Coca-Cola, McDonald's, et leurs institutions ont souvent un contenu politique, doublé d'une théorie du complot. Des actes révolutionnaires, altermondialistes, anti-centralistes, en France, ou anti-unitaristes. Les sciences occultes et l'ésotérisme. Les exemples sont si nombreux qu'on les assemble dans des « exempliers », on en trouvera un aperçu ici. La propagation des rumeurs en général, et des légendes contemporaines en particulier, a été fortement accélérée grâce à la multiplication des moyens de communication, et notamment Internet. On craint souvent d'y voir un retour à la croyance à l'irrationnel dans la conscience collective. On parle aussi de hoax, mot anglais traduisible par canular, ou de pourriel pour certains messages propagés par Internet, canular informatique. Un exemple souvent cité. De nombreuses personnes, perdues au volant de leur voiture au cœur de la nuit, en raison d'une tourmente de neige au cœur de la route des Grandes Alpes, non loin du col du Lautaret, entre Grenoble et Briançon, déclarent avoir eu une singulière apparition, au détour d'un virage sous la forme d'une dame vêtue d'une robe, et d'un grand châle dont la blancheur immaculée, la faisait presque se confondre avec la neige environnante. L'originalité de cette légende par rapport aux autres est que cette apparition se situe en haute montagne, à plus de 2000 mètres d'altitude. Selon certains récits locaux, cette dame aurait pratiqué de l'autostop, appuyée contre une paroi glacée du col. De nombreux conducteurs, craignant pour sa vie, l'accueillaient dans leur voiture. Son visage, dissimulé par son châle, elle gardait le silence. Les automobilistes reprenaient alors leur conduite, sans trop tenir compte de leurs passagères muettes. Une fois, la partie enneigée du col franchie, les conducteurs constataient que la mystérieuse auto-stoppeuse avait disparu du véhicule. Ce sujet est évoqué, durant un épisode de la série Alex Hugo, dans l'épisode dénommé « La Dame Blanche ». Ce récit est souvent évoqué dans d'autres secteurs du Briançonnais et du Queyras. Les sources proviennent notamment de wikipedia.com et, selon le cas, du ou des sites concernant le sujet traité par ma vidéo. Ce texte est interprété par Paul, ma petite voix de synthèse préférée.